Hey, bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode sur le jeu Sight. Encore une fois, comme vous pouvez constater, 4 bots difficiles et tous en mode aléatoire, autant la nation que la carte de jeu. C'est parti, on ne patientera pas plus longtemps, let's go! Et nous avons les Rusviettes. Oh, ça c'est intéressant parce que je peux choisir de prendre la même section sur mon plateau que le tour précédent, donc je peux construire deux fois de suite. Sinon, les objectifs secrets. Avantage des auteurs, contrôler au moins 3 montagnes à la fin de son tour, et sinon avoir au moins 5 ouvriers sur un territoire adjacent à l'usine à la fin de son tour. Ça, c'est un peu plus difficile, hein, un bouclier humain. On commence avec quand même des sous. On a la table agricole et le bonus de structure pour tout le monde, c'est une ligne droite, donc des structures qui sont adjacentes, consécutives. Il peut s'ajouter n'importe quelle ligne droite continue. Ne comptez que votre alignement de structure le plus long. Donc les rivières n'affectent pas. Ok, parfait. Let's go, c'est parti. Et c'est parti, c'est notre tour. Bon, premièrement, on va regarder la carte que nous avons. Ok, ça c'est beau, c'est pas ça que je voulais voir, mais les cartes, ok, déplacer, c'est 2 pétroles. Fait qu'avec 2 pétroles, je peux me... Ça va être intéressant, mais je pense que je vais aller chercher 2 ressources, puis après ça, je vais faire déplacement et je vais pouvoir avoir une amélioration. Ça va être, ouais, ça va être très pertinent. 1, 2, 1, 2. Comme là, je peux pas faire de ce que je... voyons. Je cherche le bon terme de mec. Mais bon, c'est pas grave. Le prochain tour, on va faire des déplacements et on va aller utiliser nos 2 pétroles et avoir une amélioration de plus. Alors, on est plusieurs à prendre des. On est 2 à prendre des ressources. D'autres. Ouais, regardez ici, là, ça le fait, ça le fait. On peut voir à gauche justement les actions. C'est comme là. Ici, améliorer, produire, améliorer, déplacement, déplacement. Il y en a qui ont. Qui ont acheté des ressources, c'est assez spécial. Là, je joue à difficile aussi. Fait que ça change la donne. On va commencer par le déplacement. On va aller chercher. Je sais pas si je construis 2 affaires. Je prends 2 bonhommes. Ouais, je pense que je vais aller chercher des bonhommes. Bon, je peux les reprendre, là, je m'en fous, mais je vais les utiliser. Boum. 1, 2. Comme ça, je vais pouvoir faire 3 déplacements et je vais retirer un fer. Ouais, avoir des mecs le plus rapidement possible, ça serait bon. Mais j'avoue que ça aussi, ça serait bon. Mais j'ai personne à ma gauche. Mais en même temps, c'est eux autres les plus proches. Je pense que je vais y aller pour produire. Si je peux produire le plus rapidement du... Le blé, c'est ce qui est le plus payant. Il faudrait que j'aille ici pour me pogner du blé. C'est pas la meilleure carte pour ma... Pour mon monde. Je pense que je vais quand même... Ouais, je vais prendre le fer. C'est pas toujours évident, même en début de partie. Ce qui est pas pire, c'est que je pourrais me redéplacer une autre fois. Mais je veux avoir du pétrole. Donc je vais reprendre 2 ressources. Boum boum. Après ça, je vais produire. Et après ça, je vais me déplacer. Ou je me déplace. Non, faut que je produise. Parce que sinon, je vais avoir mis du monde pour rien à cet endroit-là. Ouais, ben ouais. Faut absolument que je fasse ça. Boum. 2 bonhommes de plus. Bon, là, je peux pas. J'ai pas assez de ressources. Je termine le tour. Mais après ça, je vais déplacer mes bonhommes pour aller chercher encore plus de ressources. Donc, on va y aller avec le déplacement. On va prendre notre personnage historique. On va l'amener ici. Et là, je veux construire de quoi d'autre. Je vais aller ici pour le faire. 2 fois pour le faire. Ouais. Ok, on prend une carte. Donc, 2$ pour un point de popularité, c'est pas tant. 2$ pour 4 points de nourriture, ça pourrait être intéressant. J'aime pas bien ça, payer des points de popularité, sachant que on en a 4, là. Ouais, on aurait plus de points de puissance, plus on pourrait plus être militaire, mais je sais pas. Je pense que je vais prendre recevoir 2$ et 1 point. Non, je vais payer 2$, puis je vais prendre 4 ressources pour améliorer rapidement le tout. Bon, j'ai les 2 pétroles, c'est parti. Je vais justement, là, je peux construire, ça sert à rien que je fasse ça. Mais je vais me prendre 1 point militaire de plus, et je vais enlever un fer, comme ça, quand je vais
créer, aller chercher des ressources, je vais être en mesure de construire un mec. Est-ce quelqu'un qui a déjà une étoile? Non. Donc, comme vous pouvez voir, on peut voir toutes les statistiques. Ça va quand même bien. Un jeu où tu commences, puis tu sais jamais si t'es en train de mener ou pas. C'est sûr que je pourrais aller regarder ici, aperçu du score. En ce moment, ça va très bien, là. Mais, ouf, c'est pas ça qui est important. Si je construis, je peux pas faire le bois, même si je vais chercher le fer. Si je fais ça, je peux prendre ça, mais je pense que je vais aller chercher des ressources pour le fer. Et comme ça, je vais chercher le fer, boum boum. Et là, je vais dire, passez de n'importe quel village que vous contrôlez à l'usine, ça pourrait être vraiment bon. Ou traverser les rivières pour accéder aux fermes et aux villages. Fait que je pourrais accéder ici. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un ici. Et je vais pouvoir me déplacer pour construire. Une rencontre améliorée. Let's go, gang. On est capable. Ok, même si j'ai pas de bois, je vais quand même construire. Pour avoir des bonhommes et du fer. On oublie ça. Et voilà. Beaucoup de ressources. Il n'y a pas encore d'étoiles de fée. Tout le monde se place. Là, j'ai quand même deux de fer. Et j'ai quatre ici. Si je prends des ressources, je pourrais avoir un autre mec. Si je me déplace. Je pense que je vais faire ça, gars. Je vais aller chercher deux de pétrole. Je vais faire mes deux mecs. Puis après ça, je vais faire déplacer. Puis je vais donner un point de territoire de plus. Comme ça, je vais pouvoir aller en chercher encore mieux. Et aller plus rapidement ailleurs. La musique est bonne. Elle est vraiment drôle. Tout, 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 tout. Bon, ok, là c'est parti. On fait le déplacement. Je peux déplacer trois personnes. Bon, ça, premièrement, tu vas aller ici, aller chercher le jeton. Non, je ne vais pas laisser les ressources en surveillance. Mais je vais faire ça. Là, je vais les dropper. Puis je vais aller ici chercher le médaillon. Toi, je pars. Là, je peux construire seulement deux. Mais je vais quand même partir avec toi. Parce que je vais laisser quelqu'un là. Et je vais aller. Ici, c'est une ferme. Hein? Ouais, je pense que je vais aller sur la ferme. Mais j'aimerais ça avoir du bois pour pouvoir construire des bâtiments. Donc, enfin, je vais aller là pareil pour construire des bâtiments. Comme j'ai trois bonhommes, ça peut être très bon. Et tiens, on va aller chercher le plus de bâtiments possible. Le mec est là. À moins que je prenne un bonhomme puis je l'envoie ailleurs. Ouais. Je sais pas trop là. Ouais, je vais prendre un bonhomme puis je vais l'envoyer là. Comme ça va me faire ça. J'ai plus de territoire, plus de points. Deux unités de nourriture et un point de popularité. Payer 2 pour ça. Un ouvrier, deux unités de n'importe quelle ressource. Ça, c'est intéressant. Ou, ah non, je pense que je vais prendre ça. Payer 2 pour avoir un nouvel ouvrier. Et les ressources de mon choix. Deux ressources de mon choix. Je pense que je vais y aller. Là, j'en ai 4. Fait que 1, 2, 3. 4. Je vais aller avec un bois. Il va m... Ah, j'aurais dû faire deux bois, j'aurais pu en avoir deux. Ah, c'est pas grave. Et voilà. Et comme ça. Ah, ben, je vais pouvoir faire ça, gars. Là, je vais construire trois fois, puis je vais enlever un bois. Yeah, c'est bon. Ça va bien, ça va bien. Personne de. D'étoile encore. Au niveau militaire, je suis pas dans. Ben, je suis dans le chenoute, mais pas tant dans le chenoute. Il y a personne qui m'attaque. C'est une game assez tranquille jusqu'à présent. Le début, c'est toujours comme ça. Reste à voir justement quand les gens vont vouloir se déplacer vers l'usine. Donc là, je vais me chercher des points militaires, j'en ai besoin. Et je vais chercher trois ressources. 1, 2, 3. Je veux des cartes. Et je vais justement. Non, pas vrai. Je veux des points militaires quand je reçois des trucs. Et je veux des cartes en ce moment. Ah, j'ai eu deux cartes de deux, c'est de la marde. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais. Et puis là, au niveau ici du bonus, c'est contrôler au moins trois montagnes à la fin de son tour. Ouais. Il n'y en aura pas de facile. C'est du bois, en fait. Il faut que je contrôle.
Ok, gars, j'ai des points militaires, je suis rendu à 7. Je suis pas dans un pire maintenant. Ok, ça c'est bon. Il manque de ressources. Faut que je construise. Puis en plus, je vais avoir construit mon dernier bonhomme. Je vais chercher deux de bois et deux de fer pour faire les mecs. Et je vais pouvoir construire un premier bâtiment. 1, 2, 3. Et là, je pourrais faire ça comme ça ou comme ça. Les rivières, ça compte-tu? Je me souviens pas, est-ce que ça compte? On va aller voir. Voyons, c'est où qu'on voit ça, c'est ici, hein? Les rivières n'affectent pas leur statut de voisinage. Fait que si je pourrais aller là, ça pourrait marcher. Ok. Regarde, on va prendre ça. On va aller chercher. À moins que je le fais ici. Ici, ça pourrait être vraiment nice. Ouais, je pense que j'ai plus. Je trosse plus ces trois-là. Puis je vais mettre un moulin ici, vu que ça peut me donner plus d'or. Faire cet upgrade là. C'est parti. Y a-t-il d'autres mondes qui ont des étoiles? Non, je suis seul. Oh! Ça commence bien. Et là, les bleus, est-ce qu'ils sont puissants? Oui, ils sont puissants militairement. Fait qu'il faut que je m'upgrade au niveau militaire. Ah, il me manque une ressource pour faire l'upgrade qu'il faut. Je vais aller la chercher tout de suite. Moi, que je fasse ça. Si je construis, je peux déjà. Je vais avoir un, deux. Non, j'aurai pas le moulin. Ouais, je vais aller chercher les deux ressources qui me manquent. Ouais. Et après ça, je vais faire le militaire. Je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher le bois qui m'a manqué. Et comme ça, je vais pouvoir me construire un mec. Boum boum. Et passer n'importe quel village. Non, je vais avoir un truc de combat. Un truc de combat, ça va valoir la peine. Je vais aller. Je vais aller ici, tiens. On va avoir un mec sur chaque place. Fait que moi, je vais pouvoir utiliser une carte s'il m'attaque à différents emplacements. Là, il y en a qui ont vraiment. Oh, la Saxonie est allée chercher ses 6 améliorations. C'est très bon. J'ai des points militaires, je suis à 8. Je vais aller rechercher 3 points militaires. Et je vais fabriquer l'amélioration. Je vais aller chercher des cartes. Et là, cette fois-ci, je vais aller chercher encore une fois 2 points militaires. Donc, je suis rendu à 13. C'est moi qui ai le plus de points militaires. Mais j'ai pas de cartes, mais j'espère en avoir. Et là, faudrait que je me déplace. Faudrait que je produise. Ouais, bonus de recrutement. Ah, ça m'a pas donné une bonne carte, je pense. Parce que je la vois pas encore. Je l'ai pas vu apparaître. À moins que ça c'était un 2. Je suis vraiment curieux là. Et ça s'approche de l'usine. Ça se rapproche de l'usine. Ok, j'ai reçu des cartes. Hop, là ça y va. Là ça y va. Ok. Je me déplace. Même si j'ai pas les deux points, il faut que je me déplace. Je vais aller ici. Toi, t'es encore là. Quand même, j'ai une bonne défensive. Toi, tu vas aller ici. Parce que là, toi, faudrait que t'ailles là. Ah! Parce que c'est bien beau avoir des terrains, mais si je perds des défenses, c'est pas bon. Comme là, ça, c'est pas la bonne place. Je vais éventuellement. Mais je vais éventuellement construire de quoi là, là. Mais là, toi, je vais t'approcher à une place. Je vais t'amener. Ouais, si j'ai construit là. Ok, je vais t'amener ici. Puis là, je peux faire un autre move. Ah, je peux attaquer quelqu'un, là. Qu'est-ce qui vaudrait la peine d'attaquer? Si je perds trop de popularité. Si je perds trop de popularité. Si je perds trop. Ici, non, il y a juste un. Et qu'est-ce que je fais? Je sais que je pourrais aller chercher des montagnes. Non, je pense que je vais déplacer ici. Comme là, lui, il a déjà un moulin. Fait que ça ferait 1, 2, 3 de construction. Alors, je vais partir avec un. Puis je vais aller où la montagne ici. Pour essayer de faire le. Avoir les trois montagnes. Mais ça serait quoi ma troisième montagne? Et ça va être dur à avoir. Très dur à voir parce qu'il y en a une là, puis les autres sont ici, ici. Moi de mon côté, j'en ai pas beaucoup. J'ai là. Ah, bien là.
Ah, hey, j'ai 3 de popularité pour 6. Hey, je fais ça. J'y vais. Tassez-vous de là. Retraite. Fait que ça y fait chier. Je viens de voler tellement de ressources. 1, 2. Oui, j'ai perdu la popularité. J'ai plus rien. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de m'en retrouver prochainement. Et voilà, c'est fait. Et je vais faire ça. C'est parfait. J'ai quand même beaucoup de puissance militaire. Fait que s'il m'attaque, je vais être en mesure de bien me défendre. Ah, j'ai encore des points militaires. Et là là, il y a avec la Pologne qui n'a pas encore d'étoiles. Mais qui va être puissant là? J'ai hâte de voir là. Parce qu'il y en a qui ont. Ah, la Pologne a beaucoup de cartes là. Il va sûrement avoir une attaque dans pas long là. Ok, je peux encore faire un déplacement. Vu que j'ai deux de pétrole. Je pense que c'est ça que je vais faire pour aller chercher une carte surprise. Je vais aller chercher celle-là. Parfait. Ensuite. Ici, je n'ai 3, mais j'ai déjà un de bois. Fait que je pense que je vais aller faire. Alors, j'ai besoin de 2. Tout, 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 tout. Je pense que. Je sais pas quoi faire. Parce que toi, là, va t'enlever de là. T'es trop sujet à être attaqué. Je vais aller me placer pour. Ah non, je veux que tu restes là, t'es sur le bois. Fait que c'est toi que je veux déplacer. Oui. Ok, je te prends avec une personne, puis je m'en vais là. Fait que j'aurai en théorie. 1, 2, 3. Fait que à la fin du tour, j'aurai ce qu'il faut. Et je pense que je vais. Là, ça ferait 1. 1, 2, 3. Ok, je pense que je vais rester comme ça. Quitte à aller chercher un terrain de plus pour faire du fer. Ouais, regarde, je vais faire ça. Comme ça, j'aurai plus de terrain. 3$ pour un. Non, je vais prendre 2 piastres puis je vais prendre un point de popularité. J'ai même plus de point de popularité. Et je peux utiliser le pétrole ici. En 2, je vais améliorer l'argent pour les déplacements. Et je vais retirer un de bois pour construire un autre bâtiment. Prochainement. C'est fait. Ok, deuxième étoile. Je suis le leader. Hein. J'ai l'étoile des bonhommes. Et militaire avec 16 points. Fait que s'ils m'attaquent, ils sont dans la merde. Oh shit, la Saxonie qui attaque les Nordiques. Oh! Évidemment, la Saxonie a gagné, puis la Saxonie gagne autant d'étoiles possible par l'attaque. Ce qui n'est pas une bonne chose s'ils sont très puissants. Bon, évidemment, la Pologne a fait une rencontre. Moi, j'ai encore la chance d'aller faire d'autres rencontres là, avec mon personnage ultime. Puis, contrôler au moins 3 montagnes à la fin de son tour, c'est pas mal ça que j'ai fait, non? 1, 2, 3. À moins que. Ah, c'est pas du bois, c'est juste des montagnes. Je comprends pas. Ça, c'est une montagne, genre. Ça, c'est une montagne, genre. Ah, j'ai mal vu. C'est moi qui est con. Ça, c'est une montagne. Ouais, je suis juste con. Pour vrai. Bon, on va produire. On va faire de quoi de différent. Let's go. On va aller chercher des ressources. 1, 2. 1, 2. Je vais aller chercher. Là, il faut que je construise d'autres choses. Je vais construire un de chaque. Puis comme ça, je peux construire un bâtiment. 1, 2. Et je vais faire un bâtiment de cœur. Parce qu'on a besoin. Et voilà, c'est fait. Un deuxième bâtiment. C'est parti, on continue. Et là, je vais me déplacer. Je vais essayer d'aller chercher. Ah, il est même pas allé chercher encore sa rencontre ici. C'est triste, là. Est-ce que je vais chercher l'usine? L'usine donne quand même des points supplémentaires. Puis si on regarde en ce moment, je suis deuxième parce que j'ai pas assez de popularité. Fait faut que j'aille chercher de la popularité. J'étais à 0. Ouais. Ah, mais si je prends de la popularité, j'ai pas assez de fer pour faire mon bonhomme. Faudrait que j'attaque là. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais faire une offensive. Toi. Qui je peux attaquer là? Ah. Personne que je peux attaquer à part lui, mais je perdrais. Ah, ben j'ai pas de popularité à perdre. Puis les noirs, j'ai combien de points? Les noirs, les saxons. 5 points, 7 cartes. Toi, va-t'en là. Toi, je m'en fous maintenant que tu sois là. Tu vas aller attaquer aussi. Pour que j'aille le plus de cartes possible. Puis toi, vous allez venir ici vu que je veux que ce soit une montagne. Non, je vais pas laisser les ressources là. Avec toutes. Et voilà. Et on fait le duel. L'ennemi a utilisé la capacité d'arrêt. Vous perdez 2 points de puissance. C'est pas grave. J'ai un 5. J'ai un 4. Il me reste les gagnants gagnent les égalités. Et voilà. C'est fait. J'ai gagné. Il a mis un point, mais tu prends pas de chance contre l'intelligence artificielle.
Une grosse victoire de l'armée Roosevelt. Et maintenant, on va pouvoir utiliser les deux pétroles. Je complète le tout. Et voilà, c'est fait. J'ai réussi pour avoir ma quatrième étoile. Et en ce moment, est-ce que je mène? Oui, de par 2 points. C'est extrêmement serré vu que je suis pas assez populaire. On va continuer dans la même direction. On va essayer d'aller chercher les montagnes. Hey, les jaunes ont tellement de ressources. Si je pète ce jaune-là, là. Au lit, au lit, au lit, au lit, au lit, que ça ferait mal. Est-ce que je serais en mesure d'y parvenir? Je le sais pas. Il y a 5, 7, 8, je sais pas combien de ressources, c'est assez fou. C'est vrai, j'ai pas encore tous mes mecs. Ça pourrait être une bonne idée d'aller les chercher. Il me manque un fer cependant. Il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 ressources. Je perdrais même pas de. J'aurais pas de popularité, mais. Touché. Si je fais ça, je peux aller chercher le dernier mec. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller chercher le dernier mec. Je vais me prendre un fer. Et là, il va me manquer un bois. Je vais y aller. Je le mets ici. Et je vais aller chercher mon autre mec. Qui dépassait n'importe quel village à justement à l'usine. Et voilà, je mets un autre mec. Terminé. Pour vrai, ça va bien. Là, les gens, il faut qu'ils fassent de quoi? Ils sont restés chez eux. Là. Sont-ils derniers d'ailleurs? Ils sont pas derniers parce qu'ils ont beaucoup de ressources. Là. Même pas les ressources. Ok, excuse-moi, oui, ils sont premiers à cause qu'ils ont beaucoup de ressources. Hein? Il y a un combat? Ok, je pense qu'il y a un combat. Fait que si j'attaque les jaunes, je pourrais face. Oui, il y a un combat. Je pourrais aller chercher la première place. Holy shit. Est-ce que je gagne? Non, le gagnant gagne les égalités. Donc là, je perdrais tout mon monde. C'est où? Ici? Je perdrais un fer. Oh, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Je vais faire un pour aller chercher une carte. J'ai bien fait, il a tout mis la gomme. J'ai très 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 bien fait. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Oui, j'accepte la carte munition, qui est une carte de marde. Mais là, faut que j'aille attaquer les jaunes, parce que si. Oh, la Pologne qui prend les devants. Oh, les moly. Je pensais qu'en attaquant les jaunes, je serais correct. Mais les blancs sont un peu partout dans sa map, fait que c'est pas bon signe. Là, j'ai 1, 2, 2. Si je fais ça, je perds en popularité, mais c'est pas si pire. Si je fais ça, j'en ai pas de besoin. J'ai tous mes mecs déjà. Il me reste une étoile à avoir. Quelle est. Les bâtiments. Faut que je. Attends, faut que je réussisse une bataille. Là. Puis contre les blancs, ça serait pour être bon. Ici, les blancs ont combien de points là? Ils ont-ils tout utilisé? Oui! Let's go, je m'en viens te frapper. Toi, je t'amène sur l'usine, ça va chercher des points. Toi, j'ai oublié de te changer de place comme un cave. J'aurais dû t'amener avec le mec. Je peux-tu revenir en arrière? Non, bah bon, on va oublier ça. Mais au moins, il y a un territoire. Puis si je finis la game là-dessus, ça serait une très bonne nouvelle. Les blas sont là aussi. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller attaquer. Attends, j'ai combien de montagnes là? Ici, il y en a une. Ah, je sais pas si les montagnes pantoute. Je pense que je vais attaquer le blanc pareil. Avec mon petit bonhomme. Je vais prendre ça. Un petit bonhomme. On va aller rattaquer le blanc. Et on va commencer par ici. Let's go. 7, fait que je vais y aller avec un 5, c'est 7. Et voilà, tu viens de gagner une carte, mais t'as perdu quand même un point de victoire. Puis là, j'ai-tu gagné ou. Ouais, j'ai gagné, fait que j'ai même pas fait la dernière bataille. Je sais même pas si j'ai gagné. J'ai pris un guess. J'ai pris un guess, j'ai tellement pas eu de popularité là. C'est classique Roosevelt là, mais est-ce que je gagne cette partie à difficile contre 4 intelligences artificielles? J'ai très hâte de voir. Oh, c'est serré, mais là en ce moment je domine, mais. Ah, c'est ça que j'allais dire. Eh oui, j'ai gagné sur la dernière bataille et c'est fait. Belle victoire de Resuviette. Une autre victoire à difficile par 8 points, même si j'ai fini avec aucun point de popularité. Waouh! Finalement, la Pologne s'est fait dépasser par la Crimée qui a joué beaucoup conservateur. J'ai gagné en 19 tours et vous pouvez voir les détails de cette victoire. Waouh! Assez facile pour vrai. Je suis surpris. Oups, je voulais effacer ça. Je voulais regarder justement les différentes statistiques. Ça, je peux-tu enlever ça de là? Non.
Mais c'est des ressources ici qui manquent, là, je m'en fous de ça. Regardez l'argent, là. J'avais pas beaucoup de sous contrairement aux autres, mais j'ai pu aller chercher. Encore une fois, j'avais même si je me suis battu beaucoup, j'ai encore eu beaucoup de points militaires. Ma popularité, c'était de la chenoute. J'avais quand même beaucoup de cartes. J'étais allé chercher ce qu'il fallait. Let's go, c'est une belle victoire. Signé Rusviette.